L'abbaye de Beauport est une abbaye dite maritime située à Quéréty entre Plouézec et Paimpol dans les Côtes d'Armor en Bretagne. L'abbaye se situe à proximité immédiate de la mer et n'est protégée que par des digues qu'il a fallu constamment renforcer au cours de l'histoire. Des moines étaient installés sur la toute proche île de Saint-Rion depuis le 5e siècle. Pour faciliter l'action de ces religieux, le comte de Guello décide au XIIIe siècle de créer l'abbaye de Beauport sur le continent. Les biens des moines de Saint-Rion sont transférés à l'abbaye de Beauport et confiés à des chanoines prémontrés venus de l'abbaye de la Lucerne en Normandie. C'est un monument d'architecture gothique normande au cœur de la Bretagne. Comme toutes les abbayes de cette époque, les bâtiments sont organisés autour de ce très beau cloître. On peut y découvrir l'église abbatiale, la salle capitulaire où se prennent les décisions de la communauté, le réfectoire, le bâtiment des hôtes, la salle au duc. L'abbaye de Beauport a joué un rôle spirituel, économique et social majeur dans la région. Elle est construite dans un cadre naturel exceptionnellement préservé. Le dévouement des moines auprès des habitants a permis le développement agricole et maritime de la région. On leur doit la construction des ports, digues, lavoirs et de nombreuses infrastructures de la région paimpolaise. Leurs connaissances en agronomie ont permis le développement agricole local. Les moines défrichent et mettent en valeur les terres de la région. En outre, ils étudient et cultivent les plantes médicinales et soignent les habitants de la région. L'abbaye, vendue à la Révolution, est découverte par Mérimée en 1836. Elle devient alors un lieu important du courant romantique. Acquise par le Conservatoire du Littoral, l'abbaye a été profondément rénovée grâce au soutien du département des Côtes d'Armor. Cette coquille Saint-Jacques rappelle que l'abbaye de Beauport est un point de départ des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.